Bonsoir les filles, coucou, j'espère que vous allez bien. Excusez-moi. Coucou Jacqueline, coucou Christine. Alors j'essaye de trouver mon retour. J'espère que tout va bien pour vous. On se retrouve pour un petit atelier patouille ce soir. Donc j'espère que vous êtes motivées. Moi je suis trop contente de patouiller un petit peu avec les encres. J'adore ça. Donc voilà, donc en tout cas, bienvenue à toutes, bienvenue sur la page Nini Stamp. Bienvenue aux petites nouvelles. Si jamais vous arrivez chez moi, eh bien vous avez trouvé le chemin, c'est super. J'espère que ça vous plaira. En tout cas, on s'amuse bien le mercredi, enfin j'ai l'impression. Donc j'espère que ça vous plaira à vous aussi. J'essaye de trouver mon retour, je suis désolée. Peut-être qu'en allant sur la page directement, je vais l'avoir. Vu que vous êtes là. Il doit être dispo, mon petit live. Alors, où es-tu? Ah, bah voilà. Super. Hop, j'enlève le son. Impeccable. Eh bien, écoutez, coucou Perrine, coucou Cornelia, les fidèles du live sont là. C'est impeccable. Coucou Kiki. Coucou à toutes. Désolée, je bouge pour regarder qui est là. Voilà, donc comme je vous disais, donc ce soir, un atelier patouille. J'avais envie de m'amuser un petit peu avec les encres. Donc voilà, et puis une petite collection de dyes que j'ai achetée et que je trouve très sympa. Voilà, donc j'espère que vous allez être nombreuses à participer, ou peut avant, pendant ou après, enfin pas avant, mais pendant ou après. Voilà, donc en tout cas, je vous fais voir le projet. Donc il est là. Hein. Donc voilà, donc j'ai fait une petite carte avec un fond aquarelle. J'ai utilisé les découpes que je vous avais fait voir surpiquées comme ça, qui sont pleins de petits trous, j'adore. Bonsoir Corinne, bonsoir Dominique. Coucou Christine qui arrive. Super, vous êtes au rendez-vous. Donc voilà, donc mon fond a été fait à l'aquarelle, j'ai de la pâte à structure, j'ai des paillettes parce que le papier il est pailleté. Vous savez que j'utilise toujours le papier miroitant pour faire mes fonds aquarelles. Moins épais que le papier aquarelle justement, et moins lourd du coup pour mettre sur les cartes. Donc voilà, j'adore ces petites fleurs, je sais pas ce que vous en pensez, je les trouve vraiment très très jolies avec leurs petits points de couture comme ça. Donc voilà le projet que je vous propose ce soir. Donc vous savez que c'est encore la Salobration, vous avez le nouveau code hôtesse pour le mois de février qui est ici pour celles qui commandent en ligne, et la Salobration se termine le 28 février, donc toujours un cadeau par tranche de 60 euros. Ça c'est la bonne nouvelle pendant 2 mois, on aime ça, on aime être gâté, donc c'est que du bonheur. Oula, attendez, j'ai remis le son, c'est pas ce que je voulais faire, hop, voilà, je voulais remettre un peu plus de lumière, impeccable. Eh bien écoutez, je vais attendre un petit peu que ça arrive. T'adores les fleurs, ouais, moi aussi. Les as-tu utilisées, Cornelia? Je sais que tu les as. Je sais que tu les as. Moi, je les trouve très très belles. Donc, je vais vous faire voir les dyes un petit peu, comment ils se présentent. Je les avais déjà fait voir. Hein. Donc en fait, tous les dyes sont surpiqués comme ça de couture, d'effet couture en fait. Même les petits cœurs qui sont là, les feuillages, l'étiquette qui est là, le feuillage qui est là, la petite branchette. Voilà, ils sont tous surpiqués comme ça. C'est vraiment une super belle collection de dyes. Donc vous les trouvez à la page 45 du petit catalogue, hein, avec ces tampons. Voilà, et les dyes, ils sont là. Donc là, vous avez des exemples de cartes, vous verrez, hein, vous regarderez dans votre catalogue, où on voit bien ces petites surpiqûres. Donc c'est page 45 et il s'appelle Efflorescence brodée. Vraiment très très sympa. Donc je me suis bien amusée tantôt. Donc voilà, mais vraiment ça change en fait. Ça change. On a eu les feuillages cet hiver pour faire les feuilles d'automne, mais là, toutes ces petites fleurs, c'est sympa. Voilà. Donc, ce que vous allez avoir besoin, ben, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, ça va être d'un encreur, une éponge, du papier aquarelle ou du papier miroitant. Alors, vous savez que le papier miroitant, là, je ne sais pas si vous allez le voir. Il est un petit peu pailleté, comme ça. Donc, c'est le papier qui supporte l'eau, celui-ci aussi. Mais il est beaucoup plus fin que l'aquarelle. Donc, il est vraiment super sympa. Et l'effet pailleté fait un beau rendu. Bonsoir Nadine. Tu ne les as pas encore. Ah, je crois que tu les avais déjà. Ah, d'accord. Non, j'ai pas pris les tampons, moi. J'ai pris juste les dyes parce que je trouvais que
Les dailles, ils suffisaient à eux-mêmes, en fait. Après, ça, c'est une question de goût. En fin de compte, vous avez les fleurs, mais il n'y a aucun dail qui va les découper. Donc, pour moi, je me suis dit, je prends juste les dailles, c'est ce qu'il me fallait. Donc, voilà, des fleurs, j'en ai déjà pas mal. Donc, après, ça, c'est une question de goût, une question de... Voilà, ce qu'on a envie. Bon, bah, écoutez, je vous souhaite encore une fois la bienvenue à celles qui viennent d'arriver. Je me présente parce que je me suis rendu compte que je ne m'étais pas présentée même la semaine dernière. Donc, je suis Virginie Julien. Démonstratrice Stampin' Up depuis 6 ans dans le Calvados en Normandie entre Caen et Saint-Lô et je suis sur ma page donc ici sur Nini Stamp et vous avez aussi ma chaîne YouTube qui s'appelle également Nini Stamp. J'ai aussi un compte Instagram mais je vous avoue que j'ai pas trop le temps de l'agrémenter donc essentiellement Facebook et YouTube. Voilà, voilà pour les petites précisions. Donc, on va pouvoir y aller. Donc, je vous avais dit la dimension du papier, mais après, vous prenez un fond de carte, hein, qu'il soit rectangle ou carré, c'est pareil, il n'y a pas de souci. Ouais, tu prends que les dailles aussi. Ouais. Moi, je préférais prendre que les dailles. Donc, et puis, bon, fond de carte, après, j'ai pris une moitié de feuille A4 que j'ai pliée en deux. Voilà. Ça peut être une carte carrée, comme je vous disais. Il n'y a pas de souci. Donc, voici la carte qu'on peut mettre dans les deux sens, pour le coup. Hein, au départ, j'avais fait comme ça, mais en fin de compte, elle va bien dans les deux sens. Vous allez voir, c'est vraiment sympa. Donc là, je vais utiliser la couleur Grappe Gourmande. J'ai ma petite éponge qui a déjà été utilisée pour le rose. C'est pas grave, il n'y a plus rien sur le papier. Je vais pouvoir l'utiliser pour le violet. On va avoir besoin aussi, eh bien, je vais vous le dire au fur et à mesure, mais sinon les pochoirs, la pâte à structure, hein, tout ça, tout ça. Un vaporisateur d'eau, c'est très très important. Donc il nous faut un petit vapeau. Il va nous falloir, donc la pâte à structure, je vous disais, hop, avec une petite recharge, la même couleur. Voilà. Une spatule. Donc moi, je vais utiliser une spatule. Et après, eh bien, vous verrez la suite. La suite. Là, déjà, vous aurez pour faire la base de carte, il n'y a pas de souci. Après, on va utiliser les fleurs et tout ça. Les pochoirs. Ah, ben, j'ai pas été le chercher. Tiens, je vais vous abandonner 2 petites secondes. Il est en train de sécher. Vous avez un lot de 4 pochoirs dans le catalogue. Donc, vous avez les branchettes, comme ça. Je vais mettre sur un papier blanc, vous allez mieux le voir. Vous avez les branches, les arbres, comme ça. Vous avez celui-ci qu'on avait. En fait, tout cela, on les avait déjà utilisés hein, pendant la soirée pâte à structure, si vous vous souvenez bien. Et on a mon préféré, les arabesques, qui est vraiment très très joli. Et là, je vais aller chercher celui que j'ai utilisé ce soir. Donc, les pois. J'arrive. Le temps que vous prépariez vous aussi votre matériel. Voilà. Alors, vous pouvez préparer aussi un petit récipient d'eau pour le mettre à tremper juste après, hein, vous savez. Donc là, moi, je vais utiliser celui-ci, les pois. Donc, dans le lot, vous avez 4 pochoirs pour 7,50 €. Donc, c'est pas mal quand même. Hop, ça va là. La pâte à structure, ce soir, j'utilise la blanche. Vous savez que d'habitude, j'utilise beaucoup la pâte à pailleter. Eh bien, ce soir, ça sera la blanche, donc la pâte à embosser ou la pâte à structure. Hein, on les appelle des deux noms. Et... Bonsoir de Sifour les plages. Bonsoir Claude. C'est super. Coucou collège, je vois que tu es arrivée aussi, c'est super. Bon bah c'est cool. Donc voilà le projet les filles pour celles qui viennent d'arriver. Une petite carte patouille ce soir avec aquarelle et pâte à structure. On est parti. Donc il va me falloir dans un premier temps mon papier aquarelle ou miroitant. Donc comme je vous disais, hein, l'un ou l'autre fera l'affaire. Voilà, je me mets en place, ma petite carte, elle est là, et là, je vais pouvoir prendre mon encreur, mon éponge, et on est parti. Déjà, j'ai pas demandé, est-ce que quelqu'un le fait en même temps que moi? Est-ce que les fans de patouille vont scraper en même temps que moi ce soir? Vont patouiller en même temps que moi? Donc, pendant que vous me répondez, je commence. Donc, en fait, avec l'éponge, je vais aller chercher ma couleur Grappe Gourmande. Donc, j'ai du rose en dessous, hein, c'est le rose que j'ai utilisé tantôt. Mais ça ne pose pas de problème. Vous voyez, là, je suis bien dans le violet. Donc, hop, je prends ma grappe et je vais aller mettre mon encre. Ah, je vois que Dominique et Christine le font avec moi. Perrine aussi, mais c'est génial. Génial, les filles. Donc là, pour l'instant, on met de la couleur sur un côté de notre carte. Voilà. On va pas faire tout le tour. On va juste faire un côté de la carte. Ok. Je vous laisse faire ça.
Donc, si vous n'avez pas ces brosses-là, hein, les éponges font l'affaire, il n'y a pas de souci. Hop. Vous avez vu un petit peu comme ça marque bien là. Tu n'es pas trop patouille, Cornelia. Bah, écoute, ce soir, je t'initie à la patouille. Essaye, tu vas voir, tu vas kiffer. J'en suis sûre. Allez, c'est ton défi de ce soir. La semaine dernière, c'était Claudia qui avait un défi. Eh bien, ce soir, c'est toi. Allez, Cornelia, on sort ses éponges, on sort son encreur, le papier aquarelle ou le papier miroitant et on se fait son petit côté comme ça avec de l'encre. Ok? Alors. Ah, bah alors, Corinne, vas-y, sors ton éponge aussi. Bienvenue chez moi, Corinne, c'est cool. Christine, on s'en fout, Kiki, la taille de la carte. Tu prends un. Moi, c'est la carte de base, elle fait 10 sur 14,3. Mais tu peux prendre un carré, c'est pas grave. Tu peux prendre une carte carrée, voilà. Vous faites à vos dimensions. Ça, c'est. Quand je fais de la patouille, je vous l'ai déjà dit, il n'y a pas de dimension à suivre, en fait. C'est vous qui faites la carte à la façon que vous voulez la faire. On ne se prend pas la tête. D'accord, les filles? Allez, j'en fais encore un petit coup là. Et ça va être bon. Ok. Je vous avais demandé aussi de préparer une petite feuille de sopalin, les filles. Donc, on prépare son petit sopalin et on le met en dessous de son papier une fois qu'on a mis l'encre. Tu n'as pas les papiers, Cornelia. Tu n'as pas du papier aquarelle? Alors moi, je te conseille, si tu n'en as pas et que tu veux en acheter pour la première fois, je te conseille d'acheter le papier miroitant blanc. Il est génial. Il est pailleté, il est épais, il supporte l'eau. Il est très très bien. Il est moins lourd du coup que le papier aquarelle. C'est vraiment tip top. Papier blanc normal, non, parce qu'il ne va pas supporter l'eau, il va gondoler. Essaye avec du canson, peut-être. Mais voilà, le papier miroitant, il est vraiment top. Tu vois, il est blanc comme ça, il est en A4. Il y a 10 feuilles dedans. C'est vraiment mon chouchou. Dès que je fais de l'aquarelle, maintenant, je prends celui-là. Tu n'en as pas, Perrine? Mais je croyais que si, parce qu'on a déjà fait des fonds aquarelles ensemble. T'es sûre de ça? Ouh, allez, je suis partie, je continue. Hein? Donc là, j'ai fait mon fond avec l'éponge. Ensuite, je prends mon vaporisateur avec de l'eau. Hein, et je vais aller vaporiser mon fond, comme ça. Voilà. Vas-y, j'attends, j'attends. Ouais, bah essaye avec du canson, Perrine, si tu vois que ça marche, impeccable. Donc là, hop, j'ai mis mon eau, voyez? Et là, je vais prendre le heat gun. Ah bah tu vois comment il y a? Génial. Alors je te laisse faire ton fond pendant que je sèche. Donc là, je vais sécher. Ah bah, pardon. Désolée pour le bruit. Voilà les filles. Hop. Ah, coucou Christelle. J'ai pas vu qu'Emilie était là, mais si Mimili elle est là, eh ben coucou ma petite Milly. Elle se cache. Elle n'a pas dit bonjour. Ah bah Christelle, je vois ton bonjour maintenant. Voilà les filles. Bah écoutez, voilà. Donc là j'ai mis mon encre avec l'éponge. Vous avez vu. J'ai vaporisé de l'eau pour mouiller mon papier. Et là je viens de sécher pour aller plus vite. Hein. Bien sûr, je pourrais le laisser sécher, hein, mais là c'est parce que je voudrais faire la carte en live. Coucou Milly, je te fais un gros bisou. Merci aussi pour ta carte, elle est magnifique. Et du coup, là, j'ai séché et c'est ce qui me fait ces petites taches-là. Voilà. Donc là, avec l'encre comme ça et l'éponge, j'ai fini. Ensuite, donc, est-ce que Cornelia et Perrine? Coucou Lily, j'espère que tu vas bien.
Ce soir, on est dans la patouille, Lily, encore. Là, je vais prendre mon pochoir. Est-ce que Cornelia et Perrine, du coup, ont réussi à faire leur fond? Et Domi et Christine, pareil, est-ce que ça va? Est-ce que pour vous, tout va bien? Dites-moi tout. Je me prépare pour la suite. Coucou Martine. Hop. Donc ce soir, là, je vais utiliser mon tapis silicone. Voilà, donc ce tapis, c'est celui qui est consacré à la colle et à la pâte à structure quand je fais mes petits mélanges. Donc là, je le mets là. Je vais prendre ça et ma spatule. C'est bon, Perrine? Tu as vaporisé de l'eau? Tu as séché? Dis-moi tout. J'adore cette couleur. Grappe gourmande, elle est vraiment très très jolie. Donc là, ça va changer un petit peu. Donc pour celles qui viennent d'arriver, Millie et Christelle, Martine, voilà ce qu'on fait ce soir. En attendant, j'attends que les réponses des filles. Coucou Marianne. Eh bien voilà, Marianne, tu vois aussi un petit peu ce qu'on va faire ce soir. Une petite carte patouille. Voilà. C'est gentil, Lily, merci beaucoup. J'ai hâte que tu commences les tiens, Lily. Ça, c'est un appel au défi encore, attention. Donc voilà, donc là, j'ai fait ma petite carte. Tu mets l'eau. Vas-y Cornelia, tu mets l'eau et après tu sèches avec ton pistolet à embosser. Donc là je continue, vous allez pouvoir poursuivre après les filles le temps que vous séchez. Moi je vais mettre ma pâte à structure, d'accord? Donc là je vais faire mon petit mélange. Donc sur mon tapis silicone, je vais mettre un petit peu de pâte. Alors surtout celles qui ont des pâtes, il faut vraiment bien refermer vos pots et pas ouvrir entièrement votre papier là. Pour pas qu'elle sèche. Je sais qu'il y a beaucoup de problèmes avec ça. Les filles ont des pâtes qui sèchent. Alors en mettant un petit peu d'eau dedans, normalement, et en mélangeant, on arrive à la rattraper. Mais sinon, c'est très important de bien remettre votre couvercle. Cette pâte, quand elle est à l'air comme là, elle sèche très très vite. Donc, faut en mettre toujours des petites quantités. Et moi, je sais que quand je fais mes mélanges, eh ben, je fais plusieurs cartes à la fois parce que sinon, elle va sécher. Eh bien, écoute, j'espère que tu essaieras celle-ci, Lily. Alors, c'est gentil. Merci beaucoup. Coucou Marité, j'espère que tu vas bien. Merci Milly, merci Christelle. Oh, c'est cool, ça vous plaît. Merci Martine. Donc là, c'est la pâte blanche que j'utilise, mais ça ferait pareil si vous aviez la pailletée, les filles. Hein, pas de souci. Donc là, j'ai mis un petit peu de pâte et je vais mettre une goutte de la même couleur que j'ai utilisée ici, donc grappe gourmande. Là, j'ai utilisé l'encreur, là, je prends la recharge et je mets juste une goutte. Voilà. Hop, je mets ça là et je vais aller faire ma petite mixture, vous voyez. Je vais aller avec mes spatules mélanger. Voilà. Donc l'avantage du tapis, c'est que on peut faire ces mélanges tranquilles. Si vous n'avez pas, vous prenez une pochette de classeur, les filles, hein, il n'y a pas de souci. Voilà. Ça va être un petit peu plus clair que ce que j'ai sur ma carte, mais c'est parfait. Tu n'as pas entendu. Il y avait trop de bruit chez toi, Cornelia. Alors du coup, ce que je disais, c'est que tu vas mettre une petite noisette de pâte, mais tu fais attention de bien refermer ton pot, d'accord? Parce qu'elle sèche très très vite. Et pas sortir trop de pâte non plus, parce qu'une fois qu'elle est sortie, elle sèche rapidement aussi. Donc tu prévois d'autres fonds au pire pour. Tu prévois d'autres fonds pour faire d'autres cartes dans la foulée, quoi, tu vois. Tu vois, moi j'ai toujours plein de fonds de découpés d'avance quand je suis en patouille parce que je me dis que ça peut servir. Donc là, j'ai mis une goutte d'encre, la même encre que mon encre ici que j'ai utilisée, donc Grappe Gourmande. Et là, je vais prendre mon pochoir et je vais pouvoir aller étaler sur le côté droit, toujours. Hein, je reste sur la partie colorée. Voilà, comme ceci, vous voyez, la pâte, elle est là. Donc, je vais aller mettre un petit peu de pâte. Donc, il va m'en rester, bien sûr. Donc là, hop, on est parti. Alors, c'est marrant parce qu'il va y avoir une différence de couleur. Mais c'est pas gênant, j'aime bien. Je vais rester dans le ton violet, c'est parfait. Donc là, ce qui est bien, c'est de rester dans la même couleur si possible. Comme ça, vous avez une carte qui sera juste d'une seule couleur avec le blanc. C'est pas mal aussi, des fois, de faire des cartes comme ça. Hop! Voilà. Et bien comme ça me plaît bien. Vous voyez, non mais j'en ai pas pris beaucoup hein, en fin de compte. Là, je vais pouvoir refaire 3 ou 4 cartes derrière. J'enlève. Et là, j'ai ma pâte à structure qui est mise. Est-ce que ça va, Perrine et Cornelia?
Alors Dominique et Christine, elles m'ont pas répondu, elles devaient pas entendre, elles devaient avoir leur heat gun. Donc voilà, donc mon violet est beaucoup plus pâle, ça fait un peu gris en fait, mais ça va. J'aurais pu mettre une autre goutte, une goutte, deux gouttes peut-être, ça aurait été pas mal. Mais j'aime bien comme ça aussi. Donc là, ça je vais laisser sécher parce que ça sèche très vite, mais bon, pour éviter de mettre les doigts dessus, je laisse sécher et on va passer à la suite. Hop, je vais juste isoler tout ça. Et je ferai quelque chose avec après. Voilà. Donc, si vous avez fini avec le pochoir, vous mettez à tremper. Votre spatule aussi, c'est mieux. Hop. Je vais mettre ça dans un petit plastique pour éviter que ça... Hop, 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 plastique, un ciseau. Pour éviter que ça sèche, je vais envelopper ma spatule, en fait. Voilà, vous voyez, je vais l'envelopper, puis je récupérerai après ce que j'ai besoin pour refaire une petite carte. Mais au moins, là, je sais que ça ne va pas sécher. Voilà. Est-ce que ça va, les filles? Dites-moi. Hop, ça, je mets de côté. Impeccable. Là, je vais prendre mes petites fleurs. Je vais prendre mes petites fleurs. Donc, je les ai déjà découpées, hein. J'ai fait, du coup, cette petite fleur surpiquée, comme ça, qui sont vraiment très jolies. Bonsoir Elisabeth. Voilà, donc là, je vais superposer, les mettre en deux comme ça. Et j'ai fait celle-ci. Ah, il m'en manque une. C'est malin ça. Il m'en manque une. Bah, je vais en refaire une vite fait. J'ai oublié de la faire, celle-ci. Hop. Donc, c'était celle-ci. Laquelle j'ai là? Là, j'ai celle-là. Donc, c'est celle-là. Voilà. Donc, je m'absente à la Big Shot 2 secondes pour faire ça. Donc là, c'est vraiment une carte rapide, hein, quand vous avez déjà découpé vos fleurs et tout. Le plus long, c'est quoi? C'est faire la pâte à structure, en fait. Hein. C'est vraiment très, très rapide. Est-ce que ça va, les filles qui font en même temps que moi? J'ai eu aucun retour de Christine et Dominique depuis un moment. Je pense qu'elles avaient, elles étaient en train de sécher leurs cartes, leur fond, du moins. Perrine, est-ce que ça va? Hop! Voilà, donc ça, c'est bon, je peux ranger. Alors, quand vous découpez plusieurs de fleurs comme ça, vous voyez sur un carré ou un rectangle, eh bien, vous pouvez en faire plusieurs et ça peut vous servir de pochoir après avec vos éponges. Ça peut être super sympa. Vous posez ça sur vos fonds de carte et avec l'éponge, vous faites un fond. Vous mettez quelque chose, une petite perle au milieu ou quoi, ça pourrait être très très joli. Coucou ma Vivi! Oh, j'espère que ça va, ça fait trop longtemps. Merci de passer par chez moi. Merci aussi pour ta petite carte, Vivi. C'est trop gentil. Alors, là, je vais, du coup, je reprends mon encreur et je vais aller mettre de la couleur autour. Voilà. Ah, tu viens de sécher aussi, Kiki. Tu fais en même temps que moi aussi? C'est cool. Super. Tu fais avec Léane? Non, avec quelqu'un? Je te dis, on vient. Oui, je viens de sécher. Ah, tu es toute seule. N'importe quoi. Super. Alors là, tu viens de sécher. Bah, tu mets ta pâte à structure. Tu lui mets une goutte de couleur. Tu mets ta pâte à structure et tu laisses sécher après ton papier. Ah, plus de son qu'elle me dit. Est-ce que vous m'entendez? Bonsoir Aude. Hop. Et du coup, tu laisses sécher et après tu me fais tes petites fleurs s'ils ne sont pas déjà découpés et tu vas les ancrer. Moi, j'avais pris de l'avance, pour ça que je vous avais marqué 2 fleurs, mais tout le monde n'a peut-être pas vu. Est-ce que le son est revenu, les filles? Est-ce que tu... Oui, vous avez... il y a des pouces, alors c'est que ça doit aller, je pense. Tu m'entends, Cornélia, Christelle aussi. Ah, Marité, il n'y a que toi qui n'entends pas. Qu'est-ce qui se passe à Bayeux? Hop. Merci Lily. Hop.
Voilà. Donc là, je fais mes petites fleurs et après, j'ai plus qu'à les coller. Donc en fait, voilà, comme je vous disais, c'est vraiment très très rapide et très simple de faire une petite carte patouille comme ça. Hop. Voilà, je laisse un peu de blanc parce que j'aime bien. Ah, c'est bon, c'est revenu. Elle n'a pas de vacances. Ben non, c'est pas encore les vacances. Oui, je me suis trompée. Je croyais que tu mettais on. Voilà. Donc ça, c'est bon pour l'instant. Oups. Je vais prendre mon petit tapis. Voilà. Donc moi, j'ai pris 4 fleurs comme ça. Et là, j'ai les petits cœurs que je vais prendre en noir, comme ça. Je vais utiliser mon petit outil pour les relever un petit peu, comme ça, avec mon tapis. Hop, voilà. Et pour les autres, je vais utiliser mon plioir en os. Coucou Muriel! Hop, oui, j'ai enlevé la carte qu'on faisait. Hop, on fait cette carte-là ce soir, les filles. Et là, je change de couleur, je suis partie sur grappe gourmande. Donc là, hop. Coucou Isa. Ça va ma filleule? Tu vas bien? Alors, Isa, elle n'aime pas trop l'aquarelle, hein, elle n'aime pas trop la patouille. Alors, elle n'est pas arrivée à l'heure exprès, j'en suis sûre. Coucou Cécile. Hop là. Et là, la dernière. Ah, elles sont vraiment adorables ces fleurs, je les adore. Voilà. Donc là, vous voyez, celle-là, on peut bien la remonter. C'est sympa. Toc. Alors, moi, j'aime bien prendre un crayon rond comme ça et puis appuyer un peu au milieu. Parce qu'avec la boule, là, c'est vu qu'il y a plein de petits trous, c'est assez fragile de rouler et ça perce en fait. Donc là, je vais prendre carrément un stylo comme ça. Vous voyez, ça remonte un peu les pétales. C'est pas mal. Hop. On appuie bien sur l'extérieur du rond, en fin de compte, pour bien remonter tout ça. Voilà. Là, je vais monter mes petites fleurs. Donc, pour ça, je vais utiliser juste des dots, en fait, pour monter ces petites fleurs-là. Et je vais prendre mon pic. Bon, même pas, regardez. Je vais prendre ma fleur directement. J'ai mes petits points de colle qui sont là. J'appuie, hop, dessus. Ah bah tu sais, je viens juste de le faire il n'y a pas longtemps, tu vois. C'est pas du tout compliqué, tu verras, c'est vraiment sympa à faire. Muriel, j'espère que tu me feras voir ce que tu auras fait si vraiment ça t'attire. J'adore ça, la pâte à structure, c'est tellement simple, tellement rapide. Par contre, quand tu sors ta pâte, et ben voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. Faut prévoir plusieurs fonds d'avance parce qu'une fois qu'elle est sortie, ça sèche très très vite. Donc prévois plusieurs fonds d'avance surtout. Mais non, t'es pas nulle, Lisa. Tu essaieras cette technique-là, tu verras, elle est super sympa. On utilise les brosses, un encreur, tu vois. Là, hop, et après tu vaporises d'eau. C'est tout. T'as que ça à faire. Et c'est vraiment pas compliqué, hein. Et puis l'aquarelle, ça nous plaît pas au départ, et puis c'est après en fait. C'est la mise en scène qui nous plaît après. Après, ça, voilà, c'est des questions de goût aussi. On peut ne pas aimer, hein. Il n'y a pas de souci. Donc là, je monte mes petites fleurs. Vous en êtes où, les filles? Parce que Dominique et Christine, je les ai perdues. Hein. Franchement, elles ne sont plus là. Je ne les vois plus. Je ne les entends plus. Je ne sais pas où elles sont. Ou alors, elles sont trop concentrées. Tuc. Là, je vais mettre au milieu mes petits fonds noirs. Enfin, mes petits fonds, mes petits cœurs de fleurs. Hop. Voilà. Oh, j'adore en violet. C'est joli aussi, ça. Coucou Nadine, je t'avais pas vue, excuse-moi. J'étais en train de parler d'aquarelle avec ma filleule. un jour, elle aimera ça, un jour, je vous le promets. Voilà, donc vous voyez, en violet, c'est sympa aussi, surpiqué comme ça. Très, très joli, j'aime beaucoup. Même le petit cœur a des petits points de couture, des petits points comme ça, petits trous. Donc ça, je mets de côté. Je mets de côté. Alors ça devrait aller. Oui, je te promets, c'est facile. T'essaieras. Tu me diras. Tu me diras. De toute façon, voilà, c'est pas compliqué.
Donc, je mets mes petites fleurs de côté. Ah oui, ce que j'ai besoin après aussi. Donc, je vais prendre après une ficelle comme ça. C'est celle qui va dans la collection Feuillage Infini. Elle est adorable, cette petite ficelle or. Donc là, je vais l'utiliser après. Et là, ce que je vais faire... Donc, est-ce que c'est sec? Vous voyez, c'est déjà sec, en fait. Là, je vais aller vieillir mon tour. Donc là, je l'ai fait aussi. Alors, c'est quelle fleur? C'est les fleurs qui sont page 45 du petit catalogue. C'est les poinçons efflorescence, pardon, qui sont là. Donc, en fait, je faisais voir aux filles tout à l'heure. Tu vas voir un petit peu. J'avais mis une photo la semaine dernière ou il y a 15 jours quand je les ai reçus. Et en fait, c'est que des petits points comme ça qui sont sur les fleurs et les feuillages. C'est vraiment génial. Ah, Cornelia, tu as fait avec les moyens du bord, c'est ça? Du beurre. Voilà. Et puis là, il y a un petit nœud aussi, il est sympa. Mais il y a des belles créas qui tournent avec ce lot-là. J'aime beaucoup. Donc là, je vais aller vieillir les tours. Hop, il y a un petit cheveu là. Les tours de ma carte, comme ça. Voilà, donc ça, on fait ou on fait pas. Et pour cela, je vais prendre mon ciseau. Je le cherche, il est là. Tu fais waouh, pourquoi? Pour les fleurs ou pour les moyens du beurre de Cornelia? Alors là, je vais aller, en fait, avec ma lame de ciseau, gratter le papier, comme ça. Vous voyez? Hop, pour celles qui ne connaissent pas. Je vais aller gratter tout autour de ma feuille et à certains endroits, je vais insister pour faire des effets ou soit retourner un peu le papier ou soit creuser. Voilà, on fait comme on a envie. Donc, on n'hésite pas à bien limer comme ça nos bords. Donc, avec un ciseau, ça se fait très très bien. Donc, quand on a un papier aquarelle, c'est encore un peu plus dur parce qu'il est épais, mais ça se fait les filles, je vous le promets. Ouais, super! Cornelia, t'assures! C'est génial. C'est ça qui est bien. Quand on n'a pas de pochoir, on les fait soi-même, les pochoirs, les filles. Vous avez tout compris. Tu vois, ça peut être un pochoir aussi, comme je disais tout à l'heure. Ça peut être un pochoir. Bon, c'est un peu gros pour la pâte à structure, mais si tu fais que des petites fleurs, c'est possible de faire un pochoir avec des papillons, des feuillages, des ronds aussi. Donc voilà. Ce qui est pas mal, c'est de se créer des pochoirs avec du papier fenêtré. Comme j'avais fait avec le flocon, je vous avais déjà fait voir. Bonsoir Sandrine. Ah, je vois que tu prends goût à mes lives, Sandrine. T'es là toutes les semaines, c'est cool. Merci. Voilà. Donc là, vous voyez, j'ai vieilli. Là, j'ai pas encore assez vieilli. Hop. Voilà. Et puis après, si je veux vieillir un peu plus sur un bord... Par exemple, après, là, on peut enrouler un petit peu si on veut. Hop, vous voyez? Voilà. Ça va, Perrine? Perrine, je l'ai perdue. Perrine, elle est partie avec Jules. Voilà, voilà. Alors, donc là, j'ai vieilli mon papier. Et là, ce que je vais vous faire voir... C'est comment je fais mes petites taches sur ma carte. Alors, est-ce que vous voyez toutes ces petites taches que j'ai là? Comme il faut qu'elles sèchent un petit peu, c'est ce que je vais faire maintenant. Donc là, vous voyez un petit peu ces taches? Alors, d'après vous, avec quoi j'ai fait ça? Allez-y, répondez. Dites-moi un petit peu avec quoi j'ai fait ces jolies petites taches. Alors, moi, j'adore les taches. Je vous dirais que je kiffe. Hop! Allez, j'attends vos réponses. Avec quoi j'ai fait ça? Avant de vous faire voir. Ah, ça va un peu vite, mais c'est parce qu'en fait, une fois que tu as fait ton aquarelle et la pâte à structure, après, c'est que les fleurs, Perrine. Donc, il n'y a rien de compliqué. C'est pour ça que j'avance, en fait. La déco, vous la ferez à votre, avec ce que vous avez. C'est pour ça que j'avais marqué deux petites fleurs. Moi, tu vois, j'ai pris deux fleurs, je les ai montées. C'est vrai que je les ai découpées à l'avance, donc du coup, je gagne un petit peu de temps. Mais t'inquiète pas, t'as fait ton fond. As-tu fait ta pâte à structure aussi? Alors, j'ai des réponses. J'ai les blaines pour Muriel. Non, c'est pas ça. Pinceau à réserve d'eau, non plus. Pinceau avec de l'eau aquapenter, non plus, Lily. Waouh, Cécile, merci, c'est gentil.
Et pinceau et encre à eau. Eh ben non, c'est pas ça non plus, les filles. Bon, j'attends encore un peu. Pinceau. Non, pas de pinceau, Kiki. Ah, je vous fais sécher là d'un coup. Alors, c'est quelque chose que je n'avais jamais fait. Et j'adore. J'adore cette finesse, en fait, les tout petits points qu'il y a là. J'adore comment ça fait. Et avec notre aquarelle, par exemple, là, qui a séché, la goutte qui a séché, là, plus les petites gouttes de tache, en fait, ça fait sympa. Donc, eh ben, vu que vous séchez, je vais vous dire. Alors, moi, si vous faites ça, je vous conseille, même tout à l'heure, j'aurais dû vous le dire d'ailleurs, parce que là, quand j'ai fait l'aquarelle, ça a mis des petites taches violettes un petit peu pour moi. Du saki, c'est quoi du saki? Eh non, c'est pas ça, Perrine. Pas encore. Bientôt, ça arrivera, ça. Bientôt, bientôt. On l'a pas encore fait. Alors, j'ai un vieux truc de Stampin' Up comme une poire et je mets le Stampin' Up. Tout à fait, Cornelia. Alors, c'est pas ça que j'ai utilisé. Moi aussi, je l'ai. C'est très vieux, ça. C'était au début que j'ai commencé, il y a 6 ans. Mais c'est pas ça que j'ai pris. Pas de daquin, non, non. Le daquin, ça me ferait des taches blanches. Avec tes doigts passés sous l'eau. Et non. Alors, les taches, si vous ne voyez pas, elles sont noires, hein. Noires et brillantes. Non plus Nadine, avec tes doigts passés dans l'eau. Non. Allez, je vous montre. En fait, vous prenez un Stampin' White. Donc ça, c'est nos marqueurs à eau. Vous savez, hein, c'est les marqueurs qui sont rechargeables qu'on a dans chaque couleur. Hein. Donc ça, c'est nos Stampin' White. Et on a deux pointes. On a une pointe stylo pour écrire à l'intérieur de nos cartes. Et on a la pointe marqueur. Donc pour l'autre carte, j'ai utilisé le café, couleur café. Et là, je prends le Stampin' White noir. Donc ça, c'est celui qui est à vendre tout seul à 3,75 €. Les autres sont tous à vendre par 10, par collection, en fait. Hein. Donc, comme ça, je papote un peu pendant que les filles, elles finissent de faire ce qu'elles ont à faire. Donc, les Stampin' White, vous les trouvez ici, page 144. Et ils sont à vendre par collection. Donc, c'est-à-dire que la collection de brillants, vous avez 10 couleurs, vous aurez un feutre de chaque. Dans les neutres, dans les royaux, les brillants. Par contre, dans les incolores, les nouveaux, là, qu'on a eu l'année dernière, par exemple, vous avez les 5 couleurs. Donc, eux sont à vendre par 5. Donc, il faut bien choisir la bonne référence par rapport aux couleurs. Et ils sont vraiment sympas. C'est avec ça que j'avais fait mes anciens fonds d'aquarelle que Lily a refait d'ailleurs cette semaine. Elles sont magnifiques, tes cartes, Lily. Merci beaucoup de m'avoir montré ce que tu as fait. J'étais vraiment super contente. Alors, voilà, c'est tout à fait ça, Sandrine. Tu as tout compris. Donc en fait, je vais, hop, je pousse un petit peu tout parce que ça éclabousse un peu. Je vais prendre la pointe plume, comme ça. Et avec le bouchon, en fait, je mets ma mine dedans, ma pointe, ma plume, je ne sais pas trop comment dire. Et je vais aller, hop, vous voyez, faire des petits à-coups comme ça. Donc j'appuie sur le bouchon et je descends en fait. Et c'est ça qui va me faire mes petites taches noires. Alors, en général, je me mets en décalé parce que ce que je fais là, voilà. Et là, je vais vous faire voir après ce que ça donne. C'est vraiment très très fin. On a l'impression que ça ne met rien du tout. Mais alors, vraiment, cet effet, il est super sympa. Hop là. Voilà. C'est pas mal déjà. Ça marche. T'as essayé, Cornelia? Génial. Ah ben si, c'était parfait. Ben là, tu me l'as mis en privé, Lily, mais en fait, je fais tout le temps, après mes lives, un post où vous pouvez mettre vos créas tout ensemble au même endroit. Donc, je te remettrai le lien, comme ça, tu vas pouvoir la partager. Les filles vont pouvoir voir ta création si tu as envie. Il n'y a pas de souci. Je t'enverrai ça tout à l'heure. Donc, voilà. Donc là, je vais vous faire voir ce que j'ai fait en taches. Vous voyez mes petites taches noires, là. C'est vraiment très fin, c'est ça que j'aime, en fait. Ces petites éclaboussures, là, elles sont toutes fines. Donc comme ça vous paraît peut-être pas, mais tout à l'heure, il n'y avait pas du tout d'éclaboussure. Vous voyez un petit peu? Voilà. Là, je vois bien mes petites éclaboussures noires. Ça me convient comme ça. Maintenant, ici, j'ai des éclaboussures noires, mais j'ai aussi d'autres éclaboussures. Regardez. Vous voyez un petit peu là? Alors, avec quoi je les ai faites, celles-là? Allez, je vous repose encore des questions. J'adore. Regardez cet effet de brillance. D'après vous, il vient de quoi? Il vient de quoi cet effet brillance? Peut-être en refaire là un peu. J'ai l'impression de ne pas en avoir assez. Voilà.
Impeccable. Alors non, c'est pas des blanches, Cécile. Cornelia, pardon. Alors j'avais jamais testé cette façon de faire des taches et je vous jure que c'est vraiment plaisant parce qu'elles sont pas grosses et c'est ça qui est sympa. Hop. Donc ces feutres-là, par contre, si vous en avez toujours à plat, les filles, vu qu'il y a deux mines, il faut absolument que ça reste à plat. D'accord? Bravo, bravo, bravo. Alors Lily, Christelle et Muriel, vous avez raison. Je vais utiliser ma peinture chatoyante champagne et le Winkoff Stella. Pourquoi? Alors c'est un Winkoff Stella qui est vide en fait. Enfin vide, celui-là n'est pas vraiment vide, mais du coup je voulais moi avoir des taches. Donc pour avoir des taches, je voulais quand même qu'il y ait du liquide. Je ne voulais pas vider mon crayon en appuyant dessus. Donc en fait avec un pinceau à réservoir d'eau mais sans eau, ça marcherait. Avec un pinceau mais très fin comme ça, ça marcherait aussi. Hop, et ce que j'ai acheté récemment, d'ailleurs je ne l'ai pas utilisé, j'aurais pu, c'est celui-ci. J'ai acheté ce pinceau parce qu'avec ces pinceaux-là, pareil, vous pouvez faire des taches. Donc là, c'est pas celui-ci que j'utilise aujourd'hui, je vais vraiment utiliser le Winkoff Stella et ma peinture chatoyante. Donc en fin de compte, je vais aller planter ma pointe, ma plume dedans, je vais enlever l'excédent dans le bouchon s'il y a, et je vais aller, avec mon doigt en fait, je vais taper comme ça dessus. Et ça va me faire des taches brillantes. Après, je vais aller rechercher l'excédent que j'avais. Vous voyez, je vais en prendre pas mal sur ma plume, en fait. Et je vais pouvoir aller faire mes petites taches. Alors, là, j'ai mon rectangle qui est là, mais je vais aussi tout autour. Hein. Je peux vous le dire, parce que je vais même sur mon plan de travail noir. Hein. En fait, quand on fait ça, on ne sait pas trop où on va. C'est un peu le problème. Donc, n'hésitez pas à protéger vos vêtements, à protéger votre plan de travail et vos affaires qu'il y a à côté pour pas que ça projette dessus. Voilà. Donc là, j'ai fait les taches brillantes. Hop. Et encore, je trouve qu'il n'y en a pas assez. Non, non, non. Donc je reprends. Vous voyez, là, j'en ai beaucoup. Je vais juste enlever l'excédent qui est là pour pas avoir non plus des grosses taches. Et là, je vais projeter. Hop. Voilà. Et je voudrais aussi en faire sur mes fleurs. Donc, je vais aller. Alors. Oui, c'est pas mal les deux. Merci, Domi. Les brosses à dents, c'est pas mal aussi, effectivement. Hop. Mais t'en as plein les doigts quand tu fais ça. Après, on est dans la patouille, tu vas me dire. Hein. Ouais, 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 c'est vrai. Voilà, là, j'en fais 2-3 gouttes sur ma fleur. Hop. Je la vois pas sur celle-là, elle veut pas. Elle va à côté, en fin de compte. Voilà, super. Impeccable. Donc là, j'en utilise vraiment pas beaucoup. Et ça me fera un effet pailleté. C'est ce à quoi tu avais pensé, Cornelia. Ben, c'est génial. Vous voyez un petit peu ces petites taches. Donc là, on va laisser sécher. Il y a des taches qui sont quand même assez épaisses. Mais là, j'ai vraiment un fond qui change totalement de tout à l'heure qu'avec la pâte à embosser. Le fait d'avoir mis des taches, c'est quand même différent de tout à l'heure. Donc, on en a plein les mains. Ça, je mets de côté aussi. Hop, et je vais essuyer, enlever ça surtout. Donc là, j'ai des taches partout, vous voyez. Les grosses taches sont parties sur mon sous-main. Et je vais essuyer ce qui a pu aller un peu partout. Voilà. Alors, dites-moi où vous en êtes, celles qui font avec moi. Domi et Christine, vu que je vous ai récupéré, dites-moi un petit peu où vous en êtes. Alors là, ça en met partout, partout, partout. Hein. Je suis sûre que j'en ai remis même sur cette carte, ça se trouve. Donc, hop, ça, il va me falloir la colle après. Hop. Il va me falloir la colle, il va me falloir la ficelle. Et bah, pendant que ça sèche, tiens, je vais faire ma petite étiquette en attendant. Donc, vous faites une petite étiquette comme vous avez envie. Hein. C'est vraiment pas trop important. La déco de la carte, en fin de compte, peut être à votre façon. Donc là, j'ai préparé une petite bannière. Je vais la mettre dans mon étiquette Fanion, hop, je perfore
Vous collez les fleurs. Ok, moi je colle pas encore. T'as vu, je laisse sécher les taches parce que je vais faire ma petite étiquette avant. Non, j'ai pas vu le. As-tu vu ton papier où tu travailles? C'est super le fond. Eh ben non, qu'est-ce qu'il a mon papier? Il brille, non? Tu parles duquel? Tu parles de celui-là? Ouais, c'est vrai que c'est sympa. Mais en fait, quand tu fais ça à l'éponge, t'as plein de formes tout le temps, c'est vraiment sympa. Alors ma ficelle, elle vient du lot, je l'ai dit tout à l'heure, pardon, feuillage infini, Christelle. Elle est dans le gros catalogue. Hop, 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 les rubans, ils sont page 161. Et en fait, c'est avec la petite toile de jute qu'il y a là, enfin le petit lin là. C'est un lot de deux. Voilà, elle est trop belle cette ficelle. C'est le Méli-Mélo feuillage infini, le numéro 22, page 161. Elle est vraiment très jolie et en plus on peut l'effilocher au bord. C'est ce qu'on avait utilisé pour ma porte ouverte du mois de juin. Fais des tâches. Tu fais des tâches, Kiki. D'accord, pas de souci. Tu veux que je te l'envoie, Cécile? Je peux, hein, si tu veux. Tu veux que je t'envoie ce fond? Donne-moi ton adresse, je te l'envoie. Il n'y a pas de souci, Cécile. J'ai des tâches partout, les filles. Donc là, j'étais sur mon étiquette. J'ai pris comme message, je t'envoie un câlin en papier. J'adore ce message. Et là, je vais. Hop! En fait, j'ai fait une étiquette plus grande et je couperai une fois que mon message sera tamponné. Donc là. Voilà. Et là, je vais couper juste après. Pourquoi je n'ai pas coupé avant? C'est comme un peu la dernière fois ce que je vous ai montré avec le massicot. Quand on a une perfo comme ça où le papier va à l'intérieur, bah c'est mieux de se garder quand même une prise en main, donc de couper après. Donc du coup, hop, je coupe à la dimension qui m'intéresse. Voilà. Impeccable. D'accord. Tu m'envoies ton adresse en privé? Toi aussi, Cornelia. De quoi toi aussi? Toi aussi, tu veux le fond? Faut que je sépare la feuille en deux, c'est ça? Et là, avec. Alors, je vais. Oui, avec ma petite éponge, je vais ancrer les bords, pareil que tout à l'heure. Hop. Voilà. Alors là, ce qu'on fait là, ça pourrait être une couverture d'album, ça pourrait être une page dans un album. En fait, en fin de compte, il faut se dire que tout ce qu'on fait en carterie peut être après mis, pardon, dans un album. C'est ça aussi qui est bien de faire des cartes, c'est qu'on apprend des techniques pour après pouvoir faire de jolis, jolis albums. Donc là, ça ira après. Et là, je vais utiliser ma ficelle. Donc ma ficelle, je vais faire deux tours. Un tour, donc là, de ma main, et deux tours et je coupe. Voilà. Je laisse dépasser des deux côtés. T'as des éclaboussures partout. Bah oui, tu vas penser à moi quand tu nettoieras. Tu vas aimer la patouille, je te le dis. Je te le dis, tu vas l'aimer, c'est obligé. Cette fois-ci, je vais la mettre peut-être. Allez, là, je vais mettre un dot. Donc, je les avais rangés. Je vais prendre un point de colle. Toc. Et je vais positionner mon ruban ici. Donc le point de colle va tenir ma ficelle en fait. Là j'ai serré au milieu hein, et je vais mettre mon ruban comme ça. Hop, là je fais descendre. Voilà. Si on a peur que ça ne tienne pas, on peut en rajouter un dessus. Mais normalement, il n'y a pas de problème. L'avantage du dot, c'est qu'on peut l'écarter un petit peu, on va dire. Voilà. Et là, je vais coller mes petites fleurs. C'est pas sûr que t'aimes ça? Ou c'est pas sûr? C'est génial la patouille, arrête. Alors là, hop là. Bah non, j'ai collé trop haute, là, ça va pas. Bon, bah je vais cacher. Allez, vous voyez, quand on fait une petite bêtise, bah, c'est comme ça qu'on cache en fait. Elle est tombée toute seule, elle a choisi sa place, ma fleur. Et là, hop, je vais aller positionner. Je tiens celle-là pour pas qu'elle bouge. Et là, ah. Voilà, impeccable. Donc là, on appuie bien le temps que ça sèche.
Hop, je relève ce que j'ai envie qu'il se relève, comme ça. Au milieu de mes petites fleurs, eh ben, je peux y mettre du pinceau Winkoff Stella, justement. Hop. Ah, ben, si elle bouge, elle n'est pas collée encore. C'est malin. C'est malin, c'est malin. J'adore cette ficelle. Et voilà. Là, je vais pouvoir relever un petit peu mes pétales, enfin mes fleurs du milieu, là, mes petits cœurs. Ils se sont aplatis quand j'ai mis mon doigt. Je fais attention parce que la peinture chatoyante n'est pas sèche partout, là, ce que j'ai éclaboussé. Tac. Voilà. Impeccable. Donc ça c'est bon, ma petite étiquette. Je vais y mettre deux petits dots juste en haut, comme ça. Hop, j'aurais pu même mettre, tiens, je l'ai pas fait sur les autres, mais hop, je peux donner un petit air comme ça. Et cette fois-ci, je vais changer, je vais le mettre ici. Ah, quoique j'aimais bien dans l'autre sens. Ah oui, pas de souci, Perrine. Il faut juste tourner autour de ta main, c'est tout. Tu vas voir, j'arrive. Je te fais voir. Pour faire le nœud, tchouk tchouk. Pour faire le nœud, tu prends ta ficelle. Alors moi, quand je fais un nœud, les filles, je ne coupe jamais la ficelle avant. Et là, je vais laisser pendre un petit peu après ma main et je vais faire deux tours autour de mes quatre doigts. Je laisse un peu pendre derrière, pareil, et je coupe. Hop, voilà. Une fois que j'ai fait ça, eh ben je l'agrandis en fait. Hop, j'agrandis mon rond. C'est juste pour avoir un grand rond. Et après, je vais au milieu. Au milieu, j'appuie, ça me fait comme un 8 en fait, compte. Voilà. Et je colle au milieu avec un dot. Ah bah c'est cool, Lily. Encore un truc que je te fais acheter, dis donc. C'est fou ça. Non, mais moi j'adore ces fleurs, elles sont magnifiques. Donc là, je pars dans ce sens-là. Tout à l'heure, j'étais partie dans l'autre sens. À la base, je l'avais fait comme ça, celle-ci, en mettant mon étiquette debout. J'aime beaucoup comme ça. Donc là, voilà, tu la colles avec un dot, Perrine. OK? Et là, je vais pouvoir aller coller sur mon fond de carte que j'avais préparé. Hop, voilà. Alors ça, c'est bien aussi d'en avoir d'avance, des fois, des fonds de carte comme ça. Et pour coller, alors vu que ça, c'est un papier qui a été gondolé quand même, il faut pas mal appuyer dessus. Mais si on avait eu un papier aquarelle qui est plus épais, ça aurait été encore pire. Voilà. Donc là, ah, il y a quelque chose que j'ai pas fait. Bon, bah tant pis, je vais le faire après. Hop. Et là, je la positionne, je la centre. Avec toutes ces petites... et pas éclaboussures, mais... le fait d'avoir vieilli le papier en centre. Là, pour ne pas écraser mes taches, je vais prendre ça pour bien appuyer partout parce qu'elles ne sont pas encore sèches. Hop. C'est quand même un papier qui a supporté l'eau, donc il a quand même gondolé. Donc c'est important de bien mettre de la colle pour pas que ça se défasse. Voilà, en couleur violette, là, j'adore aussi, c'est trop joli. Là, j'ai fait Melon Mambo, je ne vous ai pas dit tout à l'heure. J'avais pris Melon Mambo, jamais je travaille cette couleur-là. Je me suis dit, ça change. J'ai les doigts dans un état. Alors, j'adore les taches, là, elles sont trop belles. Et là, je vais utiliser les perles qu'il y a dans la collection coquillages. Elles sont très jolies aussi. Et je vais pouvoir aller mettre ces perles un petit peu partout sur ma carte. Hop. Voilà. Impeccable. Voilà, voilà. Et à l'intérieur, ce que je n'ai pas fait avec vous, et je l'avais fait sur les autres cartes. Hop, je vais plier ma... J'ai peur de mettre des taches, donc je vais fermer ma carte.
gentil, Cécile, merci beaucoup. Est-ce que tu aimes la patouille, Cécile? Est-ce que tu en fais des fois? Donc là, c'est l'intérieur de ma carte. En fait, je vais juste aller faire un tour en violet. Vu que je ne fais pas de tamponnage dedans, eh ben, je vais faire un petit effet comme ça avec l'éponge. J'aime assez aussi faire cet effet coloré tout autour pour faire comme un cadre et pouvoir mettre notre message après. Alors normalement, je la plie en deux pour faire l'autre côté. Je vais juste attendre moi que ça soit sec pour le faire. Je voudrais pas l'abîmer. Hop, donc voilà. Donc là, normalement, je fais aussi ici. Hein, je vais vous faire voir. Voilà. Comme ça, j'ai plus qu'à mettre mon texte après au milieu. Je trouve ça sympa. Ça change. Je fais jamais ça. Donc voilà. J'espère que vous avez aimé ce projet. Que vous avez aimé cette patouille. Moi, j'ai adoré faire ça avec vous. Et vous faire voir un petit peu ces petites taches là. C'est sympa. Donc, si vous refaites, vous n'oubliez pas de me montrer, surtout de nous montrer. Et là, du coup, c'est en grappe gourmande. Et là, c'était en melon mambo. Vous préférez laquelle, les filles? Dites-moi un petit peu. Laquelle préférez-vous? Ah, je ne vous ai pas dit le petit message. Je t'envoie un câlin en papier. Vient de Espoir et Réconfort. J'aime beaucoup ce set. Il y a des petits messages qui sont vraiment très jolis. Celui-là, c'est Je t'aime et je pense à toi, tu sais. Oui, aussi, tu as raison, Lily. Et Lily, tu sais quoi? Tu as tellement raison que je vais le faire tout de suite. Ah, melon mambo. Oui, mais non, je ne le fais pas tout de suite parce que c'est pas sec. Donc, sinon, je vais étaler mes tâches. Je le ferai, promis. Melon mambo pour Muriel. Violet pour Cécile. Violette aussi pour Christine. Je veux toujours dire Norbert. Il va falloir que tu fasses un changement de nom, Christine. C'est pas possible. Melon Mambo pour Cornelia. C'était super sympa, Kiki. Laquelle tu préfères, Kiki? Dis-moi. Melon Mambo ou Grappe Gourmande? Merci, Kiki, c'est gentil. Violette aussi pour Perrine. C'est vrai qu'il est beau ce violet. Hein. Franchement, j'avais jamais utilisé. J'aime beaucoup. Les deux pour Sandrine. Ah, alors Sandrine, est-ce que tu vas refaire cette carte? Violette pour Nadine. Génial. Alors moi j'adore. J'ai adoré. Je me suis amusée à faire cette carte pour vous aujourd'hui. J'ai dit vraiment, faut qu'on s'amuse. Là, je vous fais voir de près avec toutes ces taches qui brillent, les fleurs, tout. C'est vraiment sympa. Les petites perles transparentes là, elles sont juste adorables. La petite ficelle qui s'effiloche comme ça, c'est sympa aussi. Ça fait un effet. Donc voilà. Voilà ma petite carte qui brille. Alors le papier en lui-même brille déjà. Après, on a la peinture chatoyante qu'on a rajoutée. C'est sympa. Je trouve que Grappe Gourmande a beaucoup de succès là. Hein. Là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5 Grappe Gourmande déjà. Bon, bah alors il n'y a plus qu'à, il n'y a plus qu'à Sandrine. Si tu refais, tu me montres. Là, de toute façon, je vais vous créer le poste pour que vous mettiez, pour celles qu'on fait en même temps que moi et celles qui feront plus tard. Comme d'habitude, je vais vous créer le petit poste pour que vous partagiez avec nous votre création. Moi, j'adore ça. Kiki, c'est Melon Mambo et Lily, c'est Grappe Gourmande. Ok, super. Eh bien, écoutez, j'espère que tout ça vous a plu. Je pense que vous avez fini. Cornelia, elle est finie ta carte? Perrine aussi? Est-ce que Dominique et Christine ont fini aussi? Kiki, je crois que oui, elle m'a dit tout à l'heure. J'ai hâte de voir vos cartes, en tout cas. Sylvie n'était pas là ce soir, tiens, c'est bizarre parce que Sylvie, elle aime bien la patouille aussi. C'est gentil, Marianne, merci. Il faut essayer maintenant, Marianne, c'est très facile à faire. Tu es au collage, Perrine. Ok, donc ça va, tranquille. Tu vas pouvoir te coller tranquillement et puis t'amuser. Est-ce que tu as fait tes tâches? T'adores la patouille. La patrouille ou la patouille? Ok. Super, Christine. Bon, bah, c'est cool, les filles. Alors, je vous fais un gros bisou. J'espère que je vais voir fleurir de l'aquarelle et de la pâte à structure partout, partout, partout. Bonne soirée à toi aussi, Cécile. Bonne soirée à tout le monde. Alors, le papier, c'est le papier miroitant. Je vais vous faire voir. Je reste encore un petit peu avec vous. Alors, le papier. Hop. C'est page 153 et vous allez l'avoir. En fait, c'est le premier là-haut, les papiers cartonnés A4. C'est le tout premier, le papier miroitant. Mais il me semblait que tu l'avais déjà pris, hein, Perrine. C'est bizarre ce que tu me dis là.
Ah non, c'est Cornelia qui me demande. Oh là 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 là. Cornelia, voici le papier miroitant, blanc miroitant. Il est génial, il est trop beau. Pas de souci, vous finissez tranquillement les filles et puis vous nous montrez ça dès que vous êtes prêtes, hein. De toute façon, le papier miroitant, je reviens là-dessus, Cornelia. Tu vois, je sais pas si tu le vois là. Hop, j'ai plus de. Ah, je dois plus avoir de batterie. Ah, ça c'est mal. Hein. Regardez, je rebranche la batterie juste pour finir. Tchouk, voilà, ça va être mieux, je pense. Voilà. Là. Tu vois la brillance déjà du papier en lui-même. Quand tu fais de l'aquarelle, cette brillance-là, déjà, elle ressort aussi. C'est super sympa. Et beaucoup moins épais que le papier aquarelle. Tu vois, il est très fin. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous fais un gros bisou. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein, je répondrai. Il n'y a pas de souci. Merci à toutes d'avoir été là. Merci à celles qui ont participé, celles qui ont commenté, celles qui ont liké. Merci beaucoup. N'hésitez pas à partager cette vidéo, qu'elle fasse le tour et qu'elles interpellent peut-être quelqu'un aussi qui aime la patouille, pourquoi pas. En tout cas, merci beaucoup. Je vous fais un gros bisou. Je vous retrouve la semaine prochaine. J'ai plein de choses que j'aimerais vous faire voir, donc c'est difficile à chaque fois pour moi de choisir, mais il va bien falloir que j'y arrive. Je vous fais un gros bisou, les filles. Tu aimes la patouille? Qu'est-ce que je... Ah non, c'est reparti là-haut et c'est redescendu. C'est trop bizarre. Merci à toutes. Merci Sandrine, c'est très gentil. Tu as raté le début, donc t'auras comme ça, tu pourras la faire et nous montrer après, il n'y a pas de souci. Je vous fais un gros gros bisou, bonne soirée, merci à toutes. Bisous bisous les filles.